It's alive. It's alive. It's alive. It's alive. Estoy contento de que esté con nosotros, doctora. Conozco sus posibilidades. Por eso está aquí. La locura es la irrupción de los sueños en la realidad. Lo malo es no poder distinguirlos. ¿Quién es? Nadie lo sabe. Podría ser un psicótico. Ser un criminal. Nos hacen pasar por suicidios. Son asesinatos. Siempre acabamos por hacer una verdad de nuestra mentira. Bonjour à tous, amis de l'angoisse. Je suis hypnotisé par la jaquette. Nous allons voir donc le film Hypnose de 2004 de David Carreras. Ce film était David Carreras. Muchachos. David Carreras. Bon. Et tu dis que je chante après, hein. Ce film a été quand même au film festival fantastique de Gérard May. Je l'ai mis à l'envers, mais c'est l'idée. Il était à Gérard May. Et par contre, ce qui est étonnant, je vais dire, c'est qu'il a eu le Grand Prix européen et je ne l'ai pas vu avoir de prix. Je l'ai vu, en effet, dans cette sélection de cette année, mais j'ai dû rater le moment où il a eu le prix. Donc, David Carreras, à qui nous devons un autre film. For Flores Negras. De 2009. Je ne parle pas espagnol non plus, hein. C'est pénible. Donne-moi des langues que je parle. Aucune, en fait. Au niveau du casting. Alors, Cristina Brondo, qui a joué dans... Penumbra. Merci, parce que oui, il faut former tes lettres correctement. En 2011. Aimez-vous Hitchcock. En 2005, j'ai trouvé ce titre très drôle. Entre les jambes. Ça, c'est moins drôle. En 1999. Ah, ça saute du coca, là. Non, du coup, là, complètement. Demian... Bichir. Dans La Nonne. Ah oui. Alors, Demian Bichir, c'est le... Oui. Alors, Cristina Blondo, c'est notre actrice principale. Oui. Qui fait complètement paumée. Qui est là. Voilà. Qui est là. Demian Bichir, voilà. J'aurais pas de photo là, actuellement. Non, on c'est voit le pas. Fou policier mélangé. Voilà. Qui joue bah, dans beaucoup de films connus, mais des petits rôles. Donc, oui, il joue... donc, il joue dans La Nonne. La Nonne. En 2018. Dans Les Huit Salopards en 2015. Ça doit être suite Tarantino. Voilà. Dans Godzilla contre Kong en 2021. Et dans d'autres films. Voilà. Et ouais. Il a une filmo, petit rôle mais grand film. Et sa tête ne me dit rien. C'est, voilà. Alors qu'il est, a l'air d'être partout. Et Féodor, c'est très joli. Atkin. Ça doit être le directeur oui. De l'hôpital. Qui joue dans Pauline à la plage en 1983. Dans La Cour. En 2014. Et Tout en haut du monde en 2015. Très joli comme titre. Oui, il y a l'air d'avoir beaucoup de films d'auteur. Mmh, oui. Alors, synopsisons. Alors, je ne suis pas convaincue par le film, je suis désolée. Je me suis endormie. Bon, j'ai fini par le voir quand même. Hein. Béatrice vient d'être engagée dans un hôpital psychiatrique moderne, situé sur la côte espagnole. Oh. Elle y découvre divers patients et des personnels portés sur des pratiques médicales toutes différentes. T'as mal ? T'as mal ? T'as mal ? Mais après la mort d'un des patients, elle commence à douter de l'honnêteté du directeur de l'établissement et sombre peu à peu dans la paranoïa. Non, mais c'est fini là, tu peux t'arrêter. Ah bah ouais. Bon. Donc, alors, histoire. Oui ? Je vous dis un truc, c'est assez balèze. J'ai vu dès la première scène le final. C'est mauvais signe. Alors, oui, parce que dès le début, je t'ai dit, c'est en fait ça qui se passe. Mais comme tu l'avais déjà vu, tu n'as pas voulu me répondre, mais... Non, je ne l'avais pas vu, je l'ai découvert en même temps que toi. Tu l'as découvert en même temps que moi. Donc en fait, donc, on était d'accord sur le fait d'accord. Que voilà, ça allait finir comme ça. Et j'ai... Alors, tout le... C'est moi, un peu ce dommage. Je... L'anecdote, c'est que j'ai rappelé tout le long du film à Libellu qui était... Je endormi. Lui ai dit, mais selon, même si on connaît la fin, selon comment il l'aborde, ça peut être intéressant. Oui, il a essayé de le défendre jusqu'au bout, même quand je ronflais, en fait, littéralement. Parce que ce film a
Vous verrez un mortellement film... ennuyé voilà. par ses incohérences. Vous verrez un film similaire qu'on présentera, Breaking Dawn, qui est pareil avec un final qu'on voit d'office, ouais. mais qui est bien mieux amené. Non, mais là. Alors. C'est long. Et en fait, il y a des incohérences. Enfin, ce qui semble être des incohérences, mais qui en fait vous donne des indices gros comme des maisons de ce qui se passe réellement. Et en fait, du coup, c'est. Enfin, moi, je me suis ennuyée. Le pire, c'est que moi, j'étais comme ça. Parce que j'aime bien ce genre d'histoire, et j'aime savoir la fin, et c'est comme ça, et lui était. Ah oui, non, moi je me suis endormie. C'était exceptionnel. C'est super Yin et Yang. Je me suis ennuyée devant ce film. Plus que devant La mort a pondu un œuf. Qui n'est pas un mauvais film, mais qui est long. Non, c'est pas un mauvais film, c'est parce qu'il est long. Là, c'est pas le fait, limite, qu'il y ait des longueurs. C'est que c'est tellement téléphoné, mais tellement que... En fait, je me suis endormie. Mais quand je me suis réveillée, je me suis dit, ouais, en fait, je continue à suivre, malgré les 20 minutes que j'ai dû rater. En fait, on en est toujours au même point. Et en fait, voilà, on ne va pas continuer. Moi, c'est un film qui ne me... Photographie. Le lieu est sympa. Alors, il y a des idées dans le décor, même si... oui, mais justement... Enfin, mal exploité. Non, mais c'est très personnel. Mais le côté esthétique à outrance du décor qui, en fait, du coup, met en peine les pauvres acteurs qui, limite, font tâche, il est too much. En fait, c'est du Tarantino. Il est too much. Non, je rigole. Il est too much, ce film. Il est trop de tout. Mais dans l'excès, en fait, ils dévoilent leur fil rouge, ils te dévoilent la fin. C'est trop. Ce film est trop. En fait, le t-shirt. Quand on voit la poufiasse arriver en haut talon de 10 cm pour aller faire la pute au trottoir d'en face avec sa petite blouse, on fait. Mais non, chérie, arrête quoi. Le t-shirt de Libellule, ça va être mini Libellule avec un gars qui dit vous savez, moi j'adore Tarantino. Libellule tire la gueule, je me marre. Et là, il y a un autre qui arrive vous savez, moi j'adore Twilight. Et là, c'est l'inverse. Non, mais sérieusement quoi. C'est trop. Ce film est too much. Au niveau des acteurs, je pense qu'il y en a qui ont... Il y en a le flic. Je peux pas dire que le jeu d'acteur soit mauvais, même si, honnêtement, l'actrice principale... Oh, elle exagère. Je pense qu'elle est... L'actrice principale, je sais pas si c'est voulu, mais je trouve qu'elle est trop exagérée dans la peur, dans l'angoisse. Honnêtement, je pense que c'est voulu. Pense que le réalisateur lui a vraiment dit « Tu forces le trait tout le temps ». C'est voulu parce que voilà, il a l'impression lui que ça sert son film. Moi, je pense que ça le dessert. Et du coup, cette actrice passe pour une mauvaise actrice alors que si ça se trouve, ce n'est pas une mauvaise Même actrice. Même si c'est pas le meilleur acteur, celui qui se trouve le plus sympathique, c'est le flic. Oui, parce qu'il essaye de mettre un peu de. Mais il est un peu caricatural en fait. Oui, mais pour autant, c'est celui qui m'a le plus. Oui, non, mais c'est pour ça. Ce film est. Les effets. Voilà. Les effets. Quels effets? Bon, d'accord. Bah, ça a été rapide au moins à décrire. Hypnose, le problème, c'est que même si on s'attend à la fin, je me dis la fin peut être sympa malgré tout. Il n'y a pas vraiment d'effet. Si, même si on s'attend à la fin est pas si. Et j'aimais bien l'idée que tout ce qu'on voit a un lien. Par contre, il y a des choses qui m'ont. Je vais dire ce qui m'a dérangé. Là, j'ai l'impression d'avoir tricoté un pull, défait les mailles, retricoté un pull, refait les mailles. Je vais te dire ce qui m'a dérangé. Un pull, défait les mailles et m'apercevoir que c'est une écharpe. Oh ben mince alors. Ce qui m'a dérangé, c'est que la fin est téléphonée. Ce qui m'avait bien plu au début, c'est l'idée Tout le film qui est téléphoné. Oui, ce que je cherchais, moi, par rapport au film téléphoné, c'était savoir, en partant du principe qu'on savait la fin, en fait, tu avais l'espoir qu'en fait, le final sauve le film. Non, pas le sauve. Mais quand tout à coup, pas du tout. Donc, j'ai déchanté encore plus. Voilà. Par contre, j'aimerais savoir un truc avec ce film. On va m'expliquer quel est le lien avec l'eau. Je veux... Mais ça, encore, c'est un putain de truc genre ça fait trop beau dans mon film, je vais mettre de l'eau, tu vois. Oui, mais c'est transcendant temps, c'est en fait. En fait, c'est un film d'intellectuel. C'est pour ça que moi, je passe à côté. Je ne sais pas. Alors, je vais vous dire, j'ai compris le film, j'ai compris la fin, mais vu que tout était téléphoné. En même temps, tu comprends le film dès les 5 premières minutes. Oui, voilà. Le problème, c'est que j'ai vraiment tout téléphoné, vu tout d'emblée. C'est-à-dire, j'avais... Non, mais ça t'arrive jamais, on est d'accord. Oui, en plus. Mais j'avais, même si je savais la fin, par exemple, j'avais plus de sympathie à regarder Shutter Island. Voilà, je cherchais dans le même... Shutter Island, oui. Mais qui était plus, bien plus construit, plus de moyens. Ce film-là,
À mes yeux, c'est un n'oubliable moins. Je m'explique. Parce que plus, dans le sens où, pour moi, c'est pas entièrement mauvais, dans le sens où j'ai l'impression d'avoir raté un truc. C'est le film qui me donne cette impression d'avoir complètement raté un truc. Alors moi, de toute façon, tu sais comment je le classe, parce que déjà, quand tu me l'as remontré, j'avais oublié le film. C'est quoi ce film ? Je ne sais même plus ce que c'est. À chaque fois, il me le rappelle en disant, mais si, je... ah oui. Et pourtant, j'essaye, hein, je Voilà, je donc force. Moi, c'est un oubliette. L'oubliette, c'est au-dessous de l'oubliable. C'est un oubliable qu'on a condamné à rester oublié. Voilà, non, mais c'est sans appel. Donc, si vous avez vu le film, comme d'habitude... Je suis désolé pour vous. Et non, mais là, c'est un film, par contre, ceux qui ont bien aimé... Ah oui, non, mais expliquez-moi. On va pas les bafouer, mais on veut expliquez-moi comprendre. Pourquoi, parce que je sais que des fois, je suis très butée sur le film, il me fait chier, voilà. Pour moi, c'est tout, ce film est too much. Quand je m'en souviens, parce que n'importe quand je l'oublie, mais quand je m'en souviens, il est too much. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir d'autres avis qui peuvent peut-être me ramener à une meilleure appréciation. Appréciation en me disant, ouais, peut-être que effectivement il y a d'accord. C'est vrai. Bon, par contre, vous allez ramer, hein, c'est clair. Mais voilà. À de ramer, t'as la falaise. Donc, allez tous. Crevez tous. Tu vas me le redonner, je vais faire une petite sieste.